Bonjour, ici mon nom est Stéphane de la clinique Santé Guindon. Aujourd'hui, on va vous parler d'un exercice de mobilisation pour les hanches, notamment les gens qui ont de l'arthrose dans les hanches ou des problèmes de hanches. On va vous montrer un exercice qui est tout simple à faire à la maison. Donc, on va aller ici au tapis, idéalement à quatre pattes à terre, de cette façon-ci. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez. Pour... Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, par exemple, ça va être sur, au niveau de la hanche gauche. Okay? Donc, en bloquant les coudes, mettant le poids sur vos mains, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous mettez du poids sur votre genou gauche en ce moment. Et puis, en déplaçant les hanches de gauche à droite, qu'est-ce qu'on. Dans la barre arrière, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? On se trouve à mobiliser. Vous pouvez même chasser la fesse à gauche plus à gauche, de cette façon-là. C'est une excellente technique de mobilisation. Puis, vous pouvez même aussi aller avec le pied ici gauche, vous pouvez le mettre plus vers la droite ou plus même vers la droite en ce moment ou la gauche ici de cette façon-là pour aller chercher des fibres différentes. Puis juste en bougeant de en avant en arrière. Si par exemple vous avez peu de force dans vos bras, disons vous avez mal aux mains, quelque chose comme ça, vous pouvez le faire de cette façon-ci en appuyant, en étant en appui sur vos avant-bras. Donc si jamais je le fais de ce côté-ci, on mobilise dans l'avant en arrière de cette façon-là. Et c'est un exercice qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Comme ici, en ce moment, il y a une région d'étirement. Fait que ça, c'est fait pour mobiliser les ligaments qui sont autour de la hanche, qui assurent une stabilité. Donc, l'articulation de la hanche est la même que l'articulation de l'épaule. Au niveau de l'articulation de l'épaule, qu'est-ce qu'on recherche? C'est une articulation qui est surtout de mobilité. On veut avoir de la flexibilité, comme on a eu dans un autre de nos vidéos. Par contre, la hanche, on veut que ça soit mobile, mais c'est surtout une articulation qui porte du poids. Donc, on veut que ça soit mobile aussi pour justement éviter des douleurs au niveau du bassin, dans le bas du dos. Donc, je vous refais l'exercice. Vous pouvez vous mettre en appui sur les avant-bras. En appui sur votre genou, bougez les hanches d'en avant en arrière, chassez les hanches vers la droite de cette façon-ci, tout en mobilisant. Excellent exercice pour garder les ligaments de la hanche flexible. Merci.